Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Le Monde d'après. Il sera beaucoup question de musique puisque c'est Anne Pingen, altiste, qui nous accueille. Bonsoir Anne, merci bonsoir. De nous accueillir. Merci alors, aussi. Le lieu où vous nous recevez, c'est où? Expliquez-nous pour le grand public du Brabant Wallon qui ne connaît certainement pas ce lieu. Eh bien, ici, nous nous trouvons dans la salle de répétition de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Nous sommes à Mons, au cœur du jardin du Mailleur, et c'est ici que nous répétons tous les jours. Voilà, un magnifique endroit, un écrin, oui. On peut dire, pour répéter. Oui, tout à fait. Je pense que c'est assez privilégié comme endroit. Et les locaux sont tout à fait adaptés à la taille de notre orchestre, qui est relativement petit, hein, puisque nous sommes a priori une douzaine, parfois un peu plus. Mais donc, la taille de ces locaux se prête parfaitement. Voilà, alors, il y a quelques moments, vous aviez accepté, on va d'ailleurs voir des images qu'on filme, une répétition. Vous répétez un spectacle un petit peu particulier à destination des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors pour le moment, on est en plein dans la préparation de ces spectacles qui ont lieu toute une semaine ici à Mons, à Arsenic, et qui visent le public principalement scolaire. Donc il y a vraiment des centaines, je pense même qu'on peut arriver aux milliers d'enfants des écoles environnantes qui viennent en autocar et qui viennent écouter et voir. C'est un spectacle musical donc, qui va mêler la musique classique essentiellement et la présence d'un clown. Voilà, et ce spectacle, ben, votre fille participe hein, en tant que clown. Vous avez créé les premiers spectacles, il y en a cinq. Oui. Les quatre premiers, vous les avez créés. L'objectif, c'était, j'imagine, de mettre cette, ce qu'on appelle la grande musique, la musique classique, ben, à hauteur des enfants. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une musique qui bénéficie d'un a priori un petit peu négatif, ou en tout cas de totale méfiance oui, et méconnaissance. On se dit méconnaissance, donc c'est trop difficile pour moi, je ne vais pas y avoir accès. De la part des enfants et également de nombreux peut-être parents. Peut-être surtout des parents. Aussi, d'ailleurs. Des parents. Et donc ici, c'était l'occasion de montrer que cette musique, non seulement est tout à fait accessible, et que par la présence du clown, elle est rendue complètement différente d'un concert où on se rend et où on écoute des œuvres en entier. Ici, les œuvres sont proposées par petits morceaux, ce qui correspond aussi à des temps d'attention pour les enfants. Voilà, alors le clown qui permet évidemment de percevoir, enfin d'intégrer cette musique classique, mais c'est important, on ne fait pas de concession à la musique classique. Ce que les enfants entendent, ce sont des morceaux classiques. Oui, tout à fait. Quelquefois, il y a quelques adaptations qui ont été faites parce que nous sommes un petit ensemble et que certaines œuvres ont dû être légèrement modifiées et adaptées. Et puis le clown aussi, elle s'amuse à détricoter un petit peu la musique classique puisqu'elle joue du saxophone plus ou moins, elle joue de la contrebasse plus ou moins, et donc elle malmène quelque part un peu la musique. Mais je pense que ça, c'est un travail aussi de désacralisation de cette musique hein, qui parfois a un petit peu tendance à être considérée dans une tour d'ivoire pour des initiés quelconques. Enfin. Et donc ici, tout le monde peut y avoir accès et trouver son bonheur. Voilà, la transmission, on en parlera beaucoup en deuxième partie d'émission. On va peut-être faire un retour dans le temps. Vous, justement, évidemment, vous êtes tombé dedans, c'est un peu comme Obélix, évidemment, des parents, des grands-parents, musiciens, c'était difficile pour vous, entre guillemets, d'y échapper, mais comment vous avez commencé? Quels étaient vos premiers rapports avec la musique? Mais c'est un rapport complètement naturel quand vous naissez dans une famille où tout le monde fait de la musique, donc c'est assez normal, c'est une normalité de la vie de tous les jours, des parents qui partent en concert le soir, qui donnent des cours en académie, après 4 heures, vous connaissez que ça, donc c'est normal. Mais il n'y a pas moyen d'y échapper, là c'est pas tout à fait juste, parce qu'en en fait il y a beaucoup d'enfants, de musiciens qui ne suivent pas les traces de leurs parents. Moi j'ai 3 enfants, il n'y en a quand même aucun qui est devenu musicien professionnel. Donc vous voyez, qu'il y a une accroche, ça veut dire quand même qu'on est tombé dedans, mais on est passionné. Vous êtes passionné. Très vite, vous avez été passionné, vous avez senti que la musique faisait partie de votre vie. Oui, je crois. Avec des grands doutes, hein, bien sûr, un moment de l'adolescence et pendant mes études, moi j'adorais les lettres, j'adorais plein d'autres choses. Et finalement, je suis quand même venue à la musique. Et alors, vous a certainement posé régulièrement cette question, pourquoi le violon plutôt qu'un autre instrument? J'avais d'abord commencé le piano étant toute petite. Votre papa est violoniste également. Oui, ma maman est pianiste. Et puis, j'étais un peu
on va dire, turbulente, peut-être un peu hyperkinétique, quoique ça ne se disait pas à l'époque. Mais et du coup, il faut s'asseoir derrière voilà, un piano, c'est peut-être plus voilà, difficile. Voilà, c'est ça, c'est a priori un peu plus statique. Et donc voilà, c'était apparemment un choix, comme ça. Voilà, vous étudiez ici à Mons, et puis vous continuez vos études au conservatoire de Mons et de Bruxelles? Oui, non, j'ai fait mes études ici à Mons, et puis je suis entrée très vite à l'orchestre, et puis j'étais chargée de cours, en fait, oui, voilà. À Mons et à Bruxelles après. On en est de nouveau à la transmission, parce qu'on en reparlera. Ouais. Vous rentrez début des années 80 à l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. J'imagine que vous vous en gardez des souvenirs. Vous avez eu l'impression très vite de rentrer dans une famille? Une famille, alors, avec tout ce qu'une famille comporte. oui, peut-être, je ne me suis jamais dit ça dans ces termes-là. C'est un groupe. C'est un groupement et vous faites partie d'un mouvement, en fait. Quand on commence comme ça, vous étiez très jeune, évidemment. Oui. Et jamais j'ai imaginé que je resterais 43 ans ici. Oui. Jamais. Jamais. Pour des tas de raisons. Parce que d'abord, évidemment, j'adorais la musique et tout. Mais j'aimais aussi d'autres choses. Je me suis dit, je vais rester un petit peu, puis je vais faire autre chose. Ben non, pas du tout. Voyez. Oui, dans votre tête, c'était une étape et puis aller faire autre chose. Mais c'est une étape qui a duré, hein, 43 ans. Une longue étape avec des moments extraordinaires et puis des moments très, très difficiles hein, aussi. Alors, vous rentrez comme violoniste, et puis assez rapidement, vous devenez altiste. Expliquez-nous peut-être un petit peu ce passage. En fait, j'ai fait toutes mes études au violon. Il y a eu ce concours pour rentrer ici. Voilà, je suis rentrée au violon et depuis très longtemps, j'aimais la voix. Parce que j'ai envie de parler de la voix de l'alto. C'est un timbre, mais c'est une voix. Et curieusement, bon, moi, j'ai fait partie de chorale quand j'étais plus jeune et j'avais la voix d'alto aussi. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un lien. Oui. Et je jouais de l'alto aussi pendant que j'étais violoniste. Et puis, il y a eu cette opportunité d'intégrer le pupitre d'alto ici. Et ça a été une décision absolument radicale, comme un chapitre qu'on ferme. On ferme le livre et le violon, je n'ai plus jamais joué. Voilà. Je ne l'ai même plus, je l'ai vendu. Avec un Il fallait tourner la page. Absolument. Tourner la partition, va-t-on dire. Et puis cet instrument me plaisait d'abord par son timbre, hein, comme je vous disais, et puis aussi par la place dans l'orchestre. Oui, vous me le disiez avant l'entretien, cette place au cœur, au milieu, c'est important pour vous. Mais je m'y sens assez bien parce qu'on est au cœur de l'harmonie. Et je trouve quand même que l'harmonie en musique, après on ne joue pas que des choses qui sont consonantes, on peut jouer aussi des choses extrêmement modernes, etc. Mais on reste quand même au cœur de l'harmonie. Et on est aussi un peu ce lien entre les aigus et les basses. Et voilà, c'est une place qui me plaît vraiment beaucoup. Et qui vous correspond bien. Oui, j'aime bien. Alors 43 ans, un fameux bail. 3000 concerts, 200 à l'étranger, mais c'est une belle tranche de vie. C'est aussi, j'imagine, beaucoup de rencontres humaines, parce que les musiciens, vous en avez côtoyé. Les chefs également, sur les 10 qui sont passés ici, vous en avez connu 10, 8 je pense. Beaucoup. Oui, voilà. Beaucoup, sans doute. C'est vrai qu'on rencontre quand même pas mal de gens, et des gens avec qui vous avez des atomes crochus, et d'autres que... Vraiment, vous ne l'aimez pas, il faut bien le dire aussi. Hein. Oui, c'est des relations humaines. C'est des relations humaines, hein, comme dans tout groupe. Hein. De toute façon, c'est une micro-société ici. Hein. Mais aussi, on rencontre des gens très différenciés en dehors. Lorsqu'on se déplace, lorsqu'on fait un concert, vous avez de temps en temps des petites accroches comme ça avec des personnes que vous ne rencontreriez pas. Vous allez jouer dans un château, vous entrez dans une sorte d'autre monde qui c'est ça que j'allais vous demander. C'est cette musique-là vous a fait rentrer dans des lieux, mais dans des rencontres aussi avec des gens que vous n'auriez sans doute jamais rencontrés. Jamais. Et je pense qu'il y a non seulement aller jouer dans des châteaux dont on ne soupçonne même pas l'existence, hein, et aussi j'ai eu cette possibilité d'aller jouer dans les hôpitaux. D'accord. Alors ça, c'est quand même je n'ai pas fait souvent, mais c'est quand même un grand moment. Parce que j'étais là toute seule avec mon alto, rentrer dans les chambres, c'est prenant. C'est prenant, effectivement. C'est quand même assez... Émotionnellement, c'est fort. Et puis, je pense que l'expérience la plus forte, j'ai envie de dire, la plus...
difficile et en même temps riche, c'était d'aller jouer en prison. D'accord. J'étais 4-5 fois avec un groupe, là je n'ai pas été seule, on était un petit groupe, même on est allé avec Augustin Dumay et Philippe Catherine, le guitariste oui. de jazz. Hein. Et on a été dans les prisons. Ça c'est incroyable, c'est inouï, parce que vous rentrez là dans un univers qui est à milieu de votre vie, oui. de votre quotidien. Et vous espérez qu'il le reste, d'ailleurs. Hein, oui, parce bien que, sûr. Bon, mais quelque part, mais vous, j'imagine c'est, que... C'est que vous très puissant. Oui, comme, et vous comme, sentez que vous apportez quelque chose aussi. On espère. Vous essayez, en tout on cas. Oui. On ne sait jamais. On espère. Mais ça a été des rencontres, j'imagine, marquantes. Oui, des rencontres, parce qu'après, on a pu même parler oui. Avec certains. Et, mais c'est surtout, voilà, ce que je trouve le plus riche dans ce métier, peut-être... parmi d'autres choses. Mais c'est cette possibilité d'avoir des petits flashs comme ça sur des choses qui nous sont étrangères et qui nous nourrissent, hein, finalement. Oui, voilà. Avec aussi beaucoup de concerts à l'étranger, ça vous a permis de voir des... De visiter un peu. De visiter, voilà. voilà un tout petit peu. Oui, un tout petit peu. On a des cartes voilà. postales. Oui, oui, ça. Oui, oui. Vous voyez, ça. De lieux avec des envies parfois de retourner. Ici, Anne Pinguen, une semaine, une année classique, c'est beaucoup d'heures passées, j'imagine, ici, et puis c'est oui. beaucoup de concerts. C'est beaucoup de concerts. Alors, pour le nombre exact, je ne sais pas, parce que j'ai aucune mémoire là-dedans, mais disons 60, 80, quelque chose d'accord, comme ça. D'accord, oui. Avec toutes les répétitions qui ont lieu ici, et puis souvent du travail personnel à la maison. Parce que vous ne pouvez pas, dans certaines œuvres, arriver ici et déchiffrer ici, parce qu'elles sont trop difficiles. Il y a vraiment un travail en amont à faire. Voilà. Ah oui, absolument. Oui. Et est-ce que, comme des sportifs de haut niveau, on ne peut pas s'arrêter trop longtemps, sinon c'est difficile, il faut remettre tout en ordre de marche Pas trop longtemps. Oui, pas trop longtemps. On est quand même des micro-gymnastes, hein, j'ai ouais, toujours envie oui. de dire, hein, parce qu'il faut quand même garder cette souplesse. Oui, parce qu'il y a quand même un côté physique qu'on ne soupçonne sans doute pas quand on voit un concert dans une salle ou la télévision, mais c'est très physique. Il y a quand même un côté physique, et d'ailleurs, en général, les épaules, les bras, le cou, mais tout ça est très sollicité. Et les musiciens sont d'assez bons patients chez les kinés, les ostéopathes. Oui, j'imagine les tendinites, etc. Oui, oui. Doivent être quand même monnaie courante. Oui, oui. 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 Et avec le temps, c'est quand même quelque chose qui peut devenir lourd. Et on sait que ça fait partie du métier. Voilà, ça fait partie du métier. On va peut-être revenir sur votre instrument, violoniste au départ, altiste maintenant, un instrument qui date de 1743. Quel est votre rapport à l'instrument? Tout d'abord, cet instrument, bon, je cherchais un alto, c'est pas si facile de trouver l'instrument qui va vous parler, qui va correspondre à quelque chose que vous cherchez. Vous ne savez peut-être pas définir ce que vous cherchez exactement. Un son, on ne peut pas vraiment le définir. Et un jour, je suis tombée sur cet instrument-là, et en 10 minutes, je suis vraiment tombée, on va dire, en amour. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose. Ah oui, c'était incroyable. D'abord la vue, je le trouve extrêmement beau. Et donc chaque fois que j'ouvre la boîte, je le regarde. C'est déjà un plaisir. Et on a un rapport assez spécial avec notre instrument en tant que musicien, parce que c'est quand même un outil, vous le prenez tous les jours dans votre intimité, oui. vous le prenez contre vous, vous le Tout mettez à fait. Ici. Vous le cajolez un peu quand même, il est près de votre cœur. Mais c'est ça, c'est ça. Alors en plus, cet instrument, il a une âme, hein. Vous savez, dans la caisse de l'instrument, vous avez ce petit morceau de bois qui n'est pas plus haut que ça, qui relie le dessus au dessous, qui s'appelle une âme. Déjà, c'est merveilleux d'avoir trouvé ce nom-là. Et cette âme... Est-ce qu'il y a vraiment une âme au cœur de... vous avez un peu l'impression que cette âme est la vôtre, elle doit se rencontrer. Et voilà, c'était le coup de cœur. Est-ce qu'il faut apprivoiser son âme Oui. Un instrument... se reconquiert. Ce n'est jamais une fois pour toutes. Parce que d'abord, vous n'êtes pas le même aujourd'hui que demain, ni dans un mois, pour des tas de raisons. Parce que si vous n'êtes pas bien, ça va être difficile de faire sonner bien. Si vous êtes plus fatigué, si vous êtes de mauvaise humeur, triste, n'importe. Ça peut avoir une incidence sur votre tonus et donc sur ce que vous allez faire passer par l'instrument. Oui. Donc il y a une corrélation très très grande. Moi, je dirais que c'est un couple, hein. Oui, c'est ça, voilà. Et un couple avec qui vous vivez depuis combien d'années maintenant? À peu près une grosse trentaine d'années. D'accord, voilà. Avec toujours autant
De plaisir, en de fait. De plaisir, voilà. Alors, il y a des moments où vous trouvez que ça ne fonctionne plus. Alors, soit c'est vous qui allez mal, comme je vous dis, soit c'est l'instrument qui a besoin d'être... Oui, j'imagine de passer dans les mains du luthier. Voilà, un instrument comme ça de 1743 doit être entretenu très régulièrement. Quoi. Tous les instruments. Oui, oui. Tous les instruments doivent être entretenus si on veut les garder en bon état. Alors, parfois, vous avez des micro-fissures, fêlures, décollements. Aussi, hein, puisque tout est collé en fait. Oui. Hein. Donc vous pouvez avoir ça avec le changement d'hydrométrie. Donc c'est bien de passer chez le luthier régulièrement. Je passe deux fois par an. Je le répète, donc ici, oui. En salle de répétition de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 43 ans au sein de l'orchestre, mais oui. Vous avez également joué avec d'autres, notamment un quatuor également. Oui, donc oui, c'était oui. Aussi l'envie de faire d'autres choses, d'explorer d'autres pistes. Oui, je pense que c'est nécessaire hein, de voir un peu d'autres choses, parce que tout ce que vous faites... finit par vous nourrir vous et donc nourrir votre emploi ici, enfin votre job principal ici. Oui, oui. Donc je trouve que c'est très intéressant d'explorer autre chose. Jamais se dire je suis là et c'est bon quoi. Oui. En fait, puis, voilà. On n'a jamais fini on dans ce jamais métier. Fini. Et jamais. Puis explorer, c'est aussi casser un peu pas les codes de la musique classique, mais non. Montrer qu'on peut travailler avec d'autres musiciens, d'autres types de musique. Vous avez fait notamment des concerts avec Machiavel. C'est aussi oui. Une volonté de s'ouvrir. Oui, oui, ça ici, c'était le souhait de la direction de l'orchestre. Hein. Mais moi, je trouvais ça super chouette, en fait. D'abord aussi, hein, on parlait des rencontres. Oui. Chouette rencontre. Et puis tout à fait autre chose. Hein. Et jouer devant des salles qui crient et qui acclament, alors nous, on n'est pas habitués à ça. Non, c'est ça, j'imagine, ça donne... c'est pas du tout. Et ça donne quoi, justement? Eh bien, ça donne un shot d'énergie incroyable. Et c'est comme si vous recevez une... je sais pas, enfin oui, l'énergie pure, quoi. Quand vous ouais. êtes sur scène et vous entendez ça, avec la question de se dire, oui, ces gens qui ont fait ça beaucoup, quand ça s'arrête, ça doit être... terrible. C'est bien pour ça qu'on combien d'exemples on voit où c'est très difficile pour des gens qui ont des succès dans des foules qui crient, oui. Après ils oui. arrêtent, ben c'est le vide. Oui, oui, parce que vous êtes porté par ça. Bon, nous, on ne l'a pas fait souvent, hein, mais c'est très impressionnant. La force que vous recevez, en fait, c'est tout l'échange. Hein. Vous donnez, mais vous recevez... Mais vous recevez peut-être fois 10, fois 100. Oui, oui. C'est vrai toujours dans la vie. Hein. Oui, c'est vrai. On reçoit toujours plus que ce qu'on donne. Voilà, je le disais en début d'entretien et on va y passer maintenant. Important, ben vous l'avez déjà évoqué avec ce spectacle musique, oui. Toute cette transmission. Vous avez aussi pendant oui. des années été bénévole, directrice oui. bénévole de l'école de musique oui. de Lanne. C'était également toujours, j'imagine, dans cette même démarche. Oui, moi je pense que la transmission... Et le bénévolat, elle est... vous... Ah oui, vous colle à la peau. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je suis très persuadée que si on enlève tous les bénévoles de Belgique, il y a la moitié, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne, enfin, c'est vrai. En tout cas, dans le monde de la culture, c'est tout à fait vrai. Oui, voilà. Donc, je trouve que les bénévoles font...
sont une pierre angulaire de la société, en fait, hein, très, très important. Et oui, donc je suis bénévole aussi dans des associations qui organisent des concerts. Oui, oui, on en parlera après. Mais là, voilà, à l'académie, oui. C'était... ben oui, ça rentrait dans ce cadre-là. Après, j'ai fait ça 10 ans. Je trouvais que c'était bien, il fallait passer la main parce qu'on se dit qu'il faut une nouvelle énergie. Il faut de nouvelles idées, éventuellement, pour continuer les choses. Et avec peut-être là, évidemment, une démarche, on a bien compris, de transmission, mais par rapport au conservatoire, par rapport à ici, les enfants des académies, tout le monde, évidemment, n'est pas appelé à devenir musicien, musicienne professionnelle. Ah, non, donc non. C'est quoi? C'est le plaisir, l'envie de donner le plaisir de la musique. Oui, oui, oui. Le but n'était pas du tout là d'espérer... Ce n'était pas un but élitiste, quoi. Voilà. Non, non, non. Ni d'en faire des musiciens professionnels. Pas du tout. Non, non. Le but, c'est simplement que cette musique reste vivante et de constituer un public éventuel pour qu'on puisse continuer à remplir les salles, à remplir les salles et continuer à diffuser cette musique, évidemment. Hein. Vous avez des craintes, justement, que cette musique tombe un peu en désuétude, faute de public? Je ne sais pas, c'est ce qu'on entend. Le public vieillit, mais on dit tout le temps qu'il vieillit. Donc finalement, ça veut dire que il vieillissait déjà il y a 43 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc il se renouvelle donc, quand même. Donc c'est qu'il se renouvelle. Donc je pense qu'il faut quand même garder ce vivier des académies de musique, etc. Et puis, vous parliez d'élitisme. Alors je pense qu'il faut... L'élitisme, pour lui-même, n'est pas intéressant. Mais il faut quand même se dire que la musique, c'est un loisir... Je mets des guillemets, mais pas du tout comme les autres. Parce que c'est quand même un enseignement. Oui, tout à fait. Et donc, ça demande... Avec de la rigueur, avec vraiment de la constance. Oui, 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 oui. Et puis, pour avoir eu quand même pas mal d'élèves, je vois par exemple des enfants qui fonctionnent relativement bien à l'école. Et puis en musique, ils se confrontent à autre chose. Mais donc, ça veut dire qu'ils se confrontent aussi à leurs limites. Et c'est très intéressant de se dire, face à ces limites, je peux y arriver. J'ai vu des enfants qui étaient morts de trac. Oui. Parce qu'ils devaient jouer devant une petite assemblée. Et petit à petit, ils prennent sur eux et ils avancent. Quoi. Donc, je crois que c'est extrêmement formateur aussi, la musique. Ne fût-ce que d'une façon psychomotricienne. Hein, oui, bien sûr. Hein, mais on parlait effectivement de cette physique, indépendance. De cette indépendance, les deux mains, etc. Oui, c'est voilà, ça. Effectivement, et puis, donc, il y a tout ce travail. Il y a tout ce travail et puis un travail quand même cérébral qui est très différent d'un autre enseignement, malgré tout. Et puis, il y a cette façon de devoir passer de l'abstraction, qui sont des points de notes, et de faire passer cette abstraction dans le corps. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un travail tout à fait spécifique. Et donc, c'était pour rebondir sur l'élite. Je pense qu'il faut aussi pousser les enfants qui se destine. Oui, qui présente des capacités peut-être plus importantes que d'autres. Oui, voilà. et de ne pas niveler absolument. Voilà. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des enfants qui sont particulièrement peut-être faits pour la musique. Oui, donc comme vous avez certainement, très certainement fait pour la musique. Alors au niveau de l'école de l'âne, mais également, et c'est important parce que pour que le public vienne, il faut qu'il y ait des organisations, des événements. Oui. Et là également, vous avez mis deux nouveaux bénévolements, vos talents et vos qualités au service de festivals, c'est important aussi. Oui, à Mont-Saint-Martien, un festival qui est royal, puisqu'il a plus que 50 ans maintenant, et à Chimay, au château de Chimay, là il y a une série de concerts aussi. Et oui, mais je me dis que si tous ces bénévoles, parce que là, ce sont tous des bénévoles, ne fonctionnaient pas, eh bien, ça n'existerait pas. Qui engagerait les artistes? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ces petits organismes qui font 5-6 concerts par an. Hein, c'est pas énorme. Hein. Mais enfin, si on les met bout à bout, ça fait beaucoup d'occasions pour les artistes de se produire. Mais il y a notamment, et puis des années aussi, le Festival musical de l'Aune, que vous connaissez bien. Oui, bien sûr. Tous ces événements sont évidemment très, très importants. Et de nouveau, peut-être amènent dans des communes, amènent dans certaines églises de villages des concerts et des musiciens professionnels. Oui, tout à fait. Et puis, ça, je pense que c'est un élément très vivant, en fait, des concerts. Hein, les gens sortent déjà, ils ne restent pas chez eux. Donc ils rencontrent des gens. Souvent, on remarque qu'ils sont contents de se retrouver à l'occasion du concert. Il y a soit une buvette, soit on va au restaurant après. Donc ça fait tourner côté social. Voilà, aussi. Ça fait partie d'un volet social de rencontres plus important que le simple fait musical, évidemment. Oui. Et puis, pour moi, le concert reste une expérience quand même assez unique.
est-ce que c'est en vrai, hein? Alors maintenant, on est bombardé d'images de toutes sortes, tout le temps. Et là, on se confronte à la vraie réalité. C'est des gens. C'est pour ça que moi, j'adore le théâtre. Je suis fan de théâtre aussi, parce voilà. que c'est sans filet, en fait. Et c'est ça qui manque maintenant, parce qu'on retouche tout, on retouche les photos, la réalité, oui, les transformations.